Bonjour à tous et à toutes, nous refaisons une annonce. Ça fait un bail qu'on n'a pas refait d'annonce sur les films que je fais de James Bond. Cette fois, je fais cette annonce parce que je ne suis plus qu'à 3 films à finir de mon contrat. Bon, pour ceux, je n'ai plus que 3 films à terminer. Parce que j'avais dit, je faisais 9 films de Bond, de l'agent 007. Mais, peut-être, après les 9, je reprolongerai jusqu'à Casino Royale. Ce Casino Royale sera un rebook après. Le rebook, vous avez vu déjà le film avec Daniel Craig, Casino Royale. Bon, ça on en reparlera pour le deuxième temps. Pour ce que je voulais vous dire, on va parler du... Alors, pour le premier temps, il y aura... qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Oui, pour le premier temps, il y aura le premier temps de cette vidéo, de cette annonce que je fais. Pour le premier temps, il y aura le nouveau film qui est en train de se faire en ce moment, James Bond. Ça, on en parlera pour le premier temps. Après, pour le deuxième temps, on parlera du film que j'ai fait, La Vengeance de James Bond. Ça, vous avez dû le voir. On en reparlera aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille de ne pas le regarder. On en reparlera. Aussi, pour ceux, dans le troisième temps, on va parler du nouveau film James Bond. Sans raconter la fin pour ceux qui n'auront pas vu le film Bond. Mourir peut attendre. Après, quatrième temps, on parlera du film... La mission des services secrets français 007. La première partie du film qu'on doit se faire. Que moi je dois faire. Voilà. Avec des collègues ou... Mais là, ça sera avec des collègues vu le scénario est écrit. Troisième temps. Et le quatrième temps, ça sera le mag de tous les James Bond. Qui a eu avec Sean Connery... Timothy Dalton et puis tout, et George Lazenby et tous ces acteurs-là. Voilà. Bon, nous pouvons faire maintenant cette vidéo, mais je vais vous mettre une musique pour ça, parce que je vais faire comme dans les émissions. Il y aura un petit montage aussi, que vous allez voir sûrement, que vous êtes peut-être en train de voir, ce petit montage d'écriture. Devant mon visage. C'est parti, je m'enlève de devant la caméra. Et puis on va mettre une musique de Bond. James Bond. Allez, à tout de suite. Thank you.
Bon, voici. Maintenant, je vous ai mis la petite musique que vous avez très bien entendue dans Service Secret de Sa Majesté avec Georges Lazenby. Maintenant, ce que je voulais vous dire, oui, parler de mon film, du nouveau que j'ai en train de faire en ce moment. Vous devez tous vous demander ce que c'est le titre. Je vais vous le dire. Par contre, je vais vous dire le titre, il n'y aura pas de bande-annonce, comme là avec le film La Vengeance de James Bond. Il n'y aura pas de bande-annonce, mais il y aura quand même une petite annonce pour annoncer que le film va sortir à telle date. De telle date. Voilà. Le film s'appelle Bon baiser des Girondines 007. Pourquoi je l'ai fait appeler comme ça ce film? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bon baiser de Russie, il a été déjà créé avec Sean Connery. Je voulais pas faire un rebook. Bon, même si c'est, comme vous avez bien dû comprendre, dans le premier film, James Bond contre les fêtes de Noël, que ça s'appelle pas James Bond contre Dr. No, c'est normal. Vu que James Bond contre Dr. No, je voulais pas le faire. Je veux pas le faire vu que c'est une nouvelle saga. Je peux pas dire une nouvelle saga. Mais c'est des nouveaux, c'est des nouveaux que je fais. C'est, moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'il y a eu avec les autres acteurs, vous avez bien vu. Moi, c'est pas pareil, mais par contre, il y a une histoire. Le James Bond qui se joue par Sean Connery, George Lazenby, après il y a qui d'autre, Roger Moore, Timothy Dalton, et puis, comment il s'appelle, Pierce Brosnan, puis Daniel Craig, tous ces James Bond-là qui ont joué, dans le film que je fais, dans les films qu'on a vus, avec Sean Connery et tous les autres, et toute la, l'autre Crick, toutes la, les autres acteurs qu'on a vus dans Mourir peut attendre, qu'on a vu dans GoldenEye et tout ça, ça c'est normal. Eux c'est des professionnels, moi je ne suis pas un professionnel, pour vous dire. Alors, ceux qui critiquent, ceux qui regardent et qui critiquent, je m'en fiche. Moi, ça me rentre d'une oreille, ça me sort de l'autre. Je m'en fiche complètement. Ceux qui critiquent, ils peuvent critiquer. Mes films, surtout. Moi, je fais ça pour faire plaisir aux gens. Et je sais qu'il y en a, là où je travaille, ils ont regardé mes films. Ils ont regardé mes films. Après, je ne veux pas citer de nom, ni de prénom. Ni, je ne veux pas citer les noms de famille, ni les prénoms. Mais ces gens-là, je pense, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, ils peuvent rester abonnés, je m'en fiche. Mais je leur demande une seule chose, c'est qu'ils, même s'ils critiquent, non, je veux rien leur demander, mais je veux même pas leur demander d'arrêter de critiquer. Moi, j'ai vu pour Daniel Craig, on l'a critiqué. Même moi, je l'ai critiqué. Moi, je l'ai critiqué surtout sur un truc. C'est que là, il avait pas d'humour dans Casino Royale, Quantum, Skyfall et Spectre. Aucun humour. Si, il avait un humour, mais un humour qui était froid. L'humour, il était trop froid pour moi. Je peux pas dire froid, mais comment on pourrait le dire? Comment on pourrait le décrire? Son humour, il était son humour à Daniel Craig, il était comment on pourrait le dire? Il était un petit peu trop glacial. Voilà, pour moi, oui, on peut dire comme ça. Son humour me convenait pas. Voilà, on peut dire ça. Son humour me convenait pas, Daniel Craig. Pendant le dernier. Là, en humour, je donnerais même pas 0, je donnerais un 20 sur 20 Daniel Craig sur le dernier Bond. Et oui. Pourquoi je donne un 20 sur 20 sur le dernier Bond? C'est déjà, il y a de l'action. De ça, on en reparlera après, dans le troisième temps ou dans le deuxième temps. Je me rappelle plus trop ce que j'avais dit là tout à l'heure. Voilà. Même si dans le premier temps et dans le deuxième temps, on parle de mourir peut attendre, on s'en fiche. Voilà. Mais, moi, après, je m'en fiche. Je fais ça pour vous faire plaisir sur YouTube. Pour ceux qui sont abonnés, je fais ça pour vous faire plaisir. Je fais pas ça pour avoir de l'argent, pour... Si, au départ, je faisais ça pour avoir de l'argent, mais maintenant, je travaille, j'ai un job à l'extérieur de ces films. Moi, je sais pas, maintenant, je m'en fiche complètement de pas avoir d'argent sur YouTube, de pas être payé. De toute façon, pour que je sois payé sur YouTube, je crois, sur les vues ou sur les abonnés, faut que j'en ai plus. Faut que j'ai beaucoup d'abonnés sur YouTube.
pour avoir beaucoup de vues, pour avoir de l'argent surtout. C'est ce que je vais dire par là. Et aussi, ce que je voulais vous dire, ces gens-là qui me critiquent, vous savez, moi, les gens qui me critiquent, je les laisse de côté. Et puis voilà. Moi, on m'a souvent dit, les gens qui vous critiquent sur YouTube, faut les laisser tranquilles, faut les laisser dans leur bulle, faut les laisser vous critiquer. Quand ils en auront marre, c'est là qu'ils vont s'arrêter de vous critiquer. Ils verront que. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est celui qui ne répond pas qui est le plus intelligent. C'est celui qui répond qui est le plus bête. Voilà. Faut pas répondre à la critique. Moi, au départ, je répondais. Puis ça m'a passé par-dessus la tête que répondre à la critique, ça m'a un peu passé par-dessus la tête. Alors vous savez, moi, la critique, hein. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant de la critique? Bah, vous allez me dire quand même, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je fais ça juste pour le plaisir, je suis pas payé après quand je fais ces films-là. Et puis, attendez, c'est pas des films qui vont aller au cinéma. Vous le voyez bien déjà. Je suis pas un acteur super super connu non plus. Non, je peux pas dire que je suis un acteur, mais un acteur de film. Mais je suis un acteur sur YouTube, voilà, un acteur de vidéo. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui. Mais pour revenir à Bon Baiser des Girondines, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Pourquoi j'ai appelé ce film Bon Baiser des Girondines 007 au lieu de l'appeler Bon Baiser de Russie 007? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, une, je ne voulais pas copier comme dans le film Sean Connery. Après, déjà deux, Sean Connery, il est décédé. Comme on a très bien entendu aux infos en 2020. Il est décédé l'année dernière. Alors moi, c'est un mec, c'est même, je peux pas dire c'est un mec, c'est un homme que je respecte, Sean Connery. C'est un homme que je respecte super bien. Ça a été lui le premier James Bond. Alors je peux que le respecter. Déjà trois, c'est que moi, j'ai pas la carrure pour jouer dans, pour faire les James Bond. Déjà, j'ai pas la carrure. Ça, on le sait. Ça, je m'en fiche. Je suis d'accord, j'ai pas la carrure. Non, pour faire surtout Bon Baiser de Russie, pour que ça soit pareil que dans Bon Baiser de Russie. C'est ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, j'ai pas la carrure pour faire pareil que Sean Connery, avec le même titre et les mêmes scénarios. J'ai pas la carrure. Jacques, on le voit dans le train se battre, je sais plus trop contre qui, un agent du spectre. Eh ben. Ça je me vois pas, je me vois pas le faire. Si je dois refaire tous les James Bond et que ça répète, répète, répète et des rebooks et des rebooks, non. Oui, Goldfinger, on peut pas dire que c'était un rebook. Goldfinger, il va. Non, je veux pas vous raconter ce qui va se passer dans le final, dans James Bond le final. Et moi, je signe jusqu'à Casino Royale. Après, je vais voir pour trouver quelqu'un d'autre. Pour trouver quelqu'un d'autre. Le deuxième temps maintenant, on va en parler. Mais attendez, 2 secondes, on va pas parler encore du deuxième temps. Alors, ce que je voulais vous dire par là, c'est que moi, je voulais pas faire Bon Baiser de Russie, je voulais pas reprendre ce titre-là, parce que comme ça se passe, comme vous avez bien compris. Ce James Bond que je joue, ce personnage que je joue de James Bond, vous avez bien vu que normalement, eh bien, il est jeune. Moi, je suis jeune. Moi, je vais vous dire mon âge. J'ai 20 ans. Alors, ce James Bond-là, ce personnage-là, il est très jeune à son âge dans le film. Vous avez bien vu aussi que l'ancien James Bond qui joue, les acteurs qui jouaient dans le James Bond, quand vous voyez des photos de Sean Connery dans mes films, c'est normal. Vu que le James Bond qui a été incarné par Sean Connery et puis tous les autres acteurs,
C'était le grand-père de. C'est le grand-père de ce James Bond, de ce personnage-là que je joue, de James Bond. Voilà, il y a tous ces petits détails qui sont mis dans le film, même qui sont même racontés des moments par le personnage, qui sont racontés, oui, par moi, parce que c'est moi qui joue le personnage Bond, c'est moi qui joue l'agent 007, comme vous avez vu. Et oui. Oui, c'est moi qui joue l'agent 007, James Bond. Et sauf pas en Angleterre cette fois. Cette fois, il est fait en France. Et cette fois, il y a. Voilà. Il y a des scènes d'action. Il n'y a pas eu tellement de scènes qui sont faites de. On ne voit pas embrasser des filles sur la bouche. Oui, je suis d'accord, j'aimerais bien le faire. Mais pas pour le moment. Et puis, bien souvent. Les filles les personnes qu'on voit dans ce film. Alors déjà dans Goldfinger pour commencer. Déjà pour commencer, James Bond contre les fêtes de Noël. Je suis tout seul. Il n'y a pas d'enquête. C'est juste James Bond contre les fêtes de Noël, mais c'est juste le début. Goldfinger, première partie. C'est juste la première partie. On me voit tout seul encore une fois. Goldfinger. Deuxième partie, la deuxième partie de Goldfinger. Là, par contre, on voit le méchant, interprété, non, qui est joué par Étienne. Voilà. Vous le connaissez pas. Je dirais pas son nom de famille, je dirais juste son prénom, Étienne. C'est un monsieur que je connais, voilà. Qui a été joué aussi dans une institut. Que je n'ai pas mis le nom non plus et que je ne dirai pas le nom de cet institut sur YouTube. Après, il y a eu Alexandra, une collègue à moi, une comment je pourrais dire? Non, c'était pas une école là où j'avais tourné Goldfinger, mais une camarade, voilà, une amie c'était pour moi. Même c'était une camarade, c'est tout, une camarade. Camarade de là où j'étais. Après, il y avait d'autres personnes, oui, bien sûr. Et puis moi, voilà, moi. Alors, le diable rouge, vous allez me dire peut-être pourquoi le diable rouge. Ce Blofeld, Stavro Blofeld, le méchant de l'organisation Spectre, ça vous allez le savoir un peu plus tard, dans la suite des films. Lui, le Diable Rouge, dans le film, il dit Estavro Blofeld, à un moment donné, mon maître Estavro Blofeld. Non, ça serait pas vrai. Estavro Blofeld, il n'existe plus dans ce film. Dans les petits films que moi je fais de Bond. Et oui, je vous raconte juste ça, mais voilà. Et qui c'est qui va être le patron de l'organisation Spectre dans mes films? Vous devez le deviner déjà, vu que vous l'avez déjà vu. Et vous l'avez déjà vu dans le film. C'est le Diable Rouge qui va être le patron de l'organisation Spectre dans les prochains films. Et oui, j'ai prévu que ça soit le Diable Rouge. Autrement, si c'est pas le Diable Rouge, qui c'est le patron de l'organisation Spectre? Vous m'expliquez? Puis pas les petits méchants de pacotille. Comme dans Opération Tonnerre, Félix Leiter. Ben lui, c'est un agent de la CIA. Je suis d'accord, il y a un faux rapport. Après, aussi dans Opération Tonnerre, Laurent Carter. Celui qui joue Laurent Carter, celui que j'ai fait. Normalement, c'est pas Laurent Carter qui s'appelle le méchant. Mais j'ai voulu mettre un nouveau méchant. Vu que là c'est différent. Après, dans La Vengeance de James Bond, voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire. La Vengeance de James Bond, ça c'était dans le premier temps que je voulais vous le dire. La Vengeance de James Bond, le film que j'ai fait sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Mourir peut attendre, surtout, mais je dis surtout bien, ne le regardez pas. Mourir peut attendre, vous pourrez aller le voir au cinéma,
Mais le film que moi le film que j'ai fait sur YouTube et que après j'ai mis sur YouTube, ceux qui n'ont pas vu Mourir peut attendre, ne regardez pas ma vidéo La Vengeance de James Bond. Parce que moi c'est la suite de Mourir peut attendre. Voilà pourquoi je dis ça. Alors ne le regardez pas et regardez Mourir peut attendre, parce que il y a une scène de Mourir peut attendre qui est à la fin du film de James Bond, La Vengeance de James Bond. Et oui. Et oui, il y a une suite là. Et même le grand-père de James Bond, là, qu'on croit qu'il est mort. Non, je vous dis rien. Je vous dis rien dans mon film. Et je vous dis rien même de Mourir peut attendre. Voilà. Je garde le secret. C'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. Après, on va passer au deuxième temps. On va parler de Mourir peut attendre. Mais surtout, je ne raconterai pas la fin. On passe au deuxième. Dans une musique. Et là, la musique, ce ne sera pas n'importe laquelle. Alors. Attendez, je la cherche. Non, ben bon, on va pas faire ça, c'est pas grave. Allez, c'est parti. À tout à l'heure pour le deuxième tour de l'émission. C'est reparti. On va parler de Mourir peut attendre. Moi qui l'ai vu dans le cinéma, je peux vous dire, Mourir peut attendre, c'est un super film. Un super film. Par contre, ce qui manque, c'est l'espionnage. Bon, ça on va pas en parler. Voilà. Mais Mourir peut attendre, on va pas en parler non plus mille pendant tout un temps, trop longtemps, on va pas en parler trop longtemps, mais Mourir peut attendre, je peux vous conseiller, il est super bien. Il est super bien. Il y a de l'action, et en plus Daniel Craig, cette fois, il a de l'humour. Alors, allez voir Mourir peut attendre. Voilà. C'est juste ça que je voulais vous dire. Et aussi, j'ai lu ça dans le journal. Dans le 20 minutes qui a été, voilà, et regardez, alors, Daniel Craig, attendez, voilà. À quoi va ressembler Mourir peut attendre avec Daniel Craig et puis l'autre dame ou l'autre actrice qui est à côté.
Voilà. On va pas en parler 10 000 ans non plus. On va pas en parler 10 000 ans de mourir peut attendre. Je vous raconterai pas la fin. Je garde le secret. Même pour tout, je garde le secret. Vous irez le voir vous-même. Allez, c'est reparti. Une autre petite intro de James Bond pour passer au troisième, à la troisième manche de cette émission. C'est reparti. Mais une intro qui ne va pas durer trop longtemps. Alors, on va parler du film oui, que je suis en train de faire en ce moment. On va parler aussi de la mission des services secrets français 007, du film que je devrais faire l'année prochaine, qui devrait se tourner l'année prochaine. Alors, qui devrait même se tourner l'année prochaine, oui. Alors, le scénario est écrit. Il y a combien de scènes en tout? Attendez, je vais voir ça. Mais c'est des scènes super longues, je pense que ça sera. Ouais. Ouais, j'ai 8 scènes à faire dans le scénario. J'ai 8 scènes dans le scénario que j'ai écrit. Enfin, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Pourquoi je l'appelle la mission des services secrets français 007? C'est tout compris. Parce que je veux pas le faire appeler. Je veux pas le faire appeler les services. Les services secrets de Sa Majesté ou je sais pas trop, non. C'était quoi le titre avec Georges Lazenby déjà? C'était. Ah! Et au service secret de Sa Majesté, voilà. Pourquoi je veux pas l'appeler comme ça, au service secret de Sa Majesté? Parce que je trouve que c'est un peu, pour moi, ça serait un peu bête de l'appeler comme ça, vu qu'il est, le titre, il y est déjà. C'est déjà un titre qui a été inventé par les Anglais. Alors, je veux pas le refaire. Voilà pourquoi. Non. Cette fois, il y aura des trucs qui seront super bien dans celui que je fais. Et en plus de ça, ça sera pendant les fêtes de Noël que ça y sera tourné le film. Et il sera sorti peut-être en 2023, il sortira. Pas pendant les fêtes de Noël, mais après le tournage. Juste après les fêtes de Noël en 2023, il sortira. Voilà. Voilà. Mais il y aura... Alors, là, j'en avais trois à faire. Parce que celui que j'ai fait, La Vengeance de James Bond, c'était... Là, c'est le sixième. Là, celui que j'ai en train de faire, c'est le septième. Après Bon Baiser des Girondines, il n'en restera plus que deux. Au service secret. Oui. Non, c'est pas ça. C'est la mission des services secrets français 007, cette première partie. Et la mission des services secrets français 007, deuxième partie. Et après, ça en fera 9. Et après, on refera un point. Pour ça. Voilà. Pour ceux. Il y aura deux parties. Comme Goldfinger. Comme mes deux films de Goldfinger, il y a eu la première partie, après il y a eu la deuxième partie, et puis après voilà. Ouais. Il y a eu deux parties dans Goldfinger. Mais là, pour la mission des services secrets français, tout est écrit sur des feuilles, là, et c'est là-dedans. Je garde le secret, vous verrez par vous-même après dans le film, l'humour peut-être que je vais avoir et tout ça. Même moi,
C'est vrai, j'ai critiqué Daniel Craig qu'il n'avait pas d'humour, mais même moi, dans les films là que j'ai pas d'humour. Vous avez bien vu sûrement que j'avais pas d'humour. Alors après, c'est bien beau de c'est vrai que c'est bien beau de critiquer quelqu'un, mais même moi, j'ai pas d'humour dans cela, je suis même trop sérieux. Bon, Daniel Craig, si, il était sérieux. Non, ce que je veux dire, là, il avait de l'humour dans Casino Royale et tout ça. Mais un humour, moi, qui me convenait pas, comme les anciens bons. Et peut-être vous, ça vous convient pas, l'humour que j'ai. Même, j'ai même pas d'humour. Vous voyez que j'ai pas d'humour dans mes films. Comme dans Opération Tonnerre, vous voyez bien. Quand l'autre, il me dit... dans le film, le méchant de l'histoire, quand il dit à Bond, quand moi, je dis à... Quand Bond dit à Laurent Carter dans Opération Tonnerre que j'ai fait, vous avez perdu ça, vous avez perdu une carte, monsieur Carter. Et lui, il me fait. Et lui, je sais plus trop ce qu'il dit, il dit. Et vous êtes monsieur, et moi je lui dis Bond, James Bond. Voilà, dans le film. Mais c'est vrai que de la façon que je le dis pas en souriant, je le dis trop sérieusement. Et ben oui, normalement c'est sérieux, mais avec un peu d'humour. J'aurais dû mettre de l'humour. Non, il n'y a pas d'humour. Voilà. Si à part dans Goldfinger, c'est le méchant qui a de l'humour, mais pas le... C'est pas le personnage aussi. Quand il dit, je sais plus trop quoi... quand Bond dit dans le film Goldfinger que j'ai fait... oui... Où vous avez caché les lingots d'or, lui dit dans votre cul, monsieur Bond. Ça, c'est un humour. Oui, un humour qui est grossier, je suis d'accord. Mais un humour quand même qui est un peu drôle. Et que de la façon comment c'est dit, c'est vrai que ça pourrait être drôle un peu. Mais voilà. Moi, je dis où je fais ça, oui, mais je dis où ça dans mon cul, trop sérieusement, je le dis. Et même trop sûr de moi, c'est comme ça que... Et oui. Mais même si ça faisait partie du scénario. Voilà. Après. Voilà, voilà. Voilà bien. Et bien, l'émission va peut-être va s'arrêter là. Parce que je suis à combien de minutes? 34 minutes de vidéo. Peut-être sur les montages que là je fais, ça fera une heure. Plus avec la. Plus en plus avec les courtes pauses que j'ai faites. Voilà. Bon, pour ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez, mais comme vous voulez. Mettez des commentaires aussi dans les films, surtout Bond, dans les films de James Bond que je fais. Pour savoir si vous l'avez trouvé bien, s'il était bien ou pas. Déjà, mettez-moi un commentaire sur cette vidéo pour me dire si... Si les films de James Bond, ça vous plaît, s'ils sont bien, et après, on verra. Puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Et là, vous allez avoir les meilleures scènes avec Sean Connery et puis tous les autres acteurs qui jouent dans les Bonds. Allez, j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine. Et je vous dis à la prochaine émission. Peut-être quand je re-signerai un contrat jusqu'à Casino Royale. Allez, salut! We have it. You should be able to see the chemical plant architecture. Which one's Bond? He's the Psy, he's the Triton thingy. Give us a layout. Right. You're at the edge of a toxic merry-go-round. The main activity should be towards the central hub, which is directly above you. Thank you.
Thank you.
I escaped to America with $10 million in gold. That's how you financed this operation. It was a good idea to use atomic power. I'm glad to see you can handle it properly. Máte atmosféru ekonomiku. What is it?
few optional extras installed. This road only leads to the lake.